Oh, allez, anthologie. Un petit coup d'anthologie, après il faut que je vois le festival Exis, ce que ça donne. Je sais, j'ai même pas de deck en vrai pour le. Peut-être même pas m'embêter avec le festival Exis. Ok, alors on va voir. Go first. Oh! Le petit cercle du Maïsan Ténèbres. Les gens ont l'air d'avoir acheté ça. Ah, ma sucks. En vrai, non, ma main. En vrai, mine de rien, ma main, elle est pas mal. Ok, en vrai, ma main est pas mal. Là, je peux contrôler tout ce que mon adversaire va faire. La première chose que je vais faire, c'est ça. Le terrain. J'ai un exis de rang 4. Oh, j'ai retiré tous mes exis de rang. Ah oui, non, j'ai retiré mes exis de rang 4. Putain. Là où la grande tristesse de ma main, là, c'est pas grand chose. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je vais réincarner. Je peux réincarner sans commit le terrain d'ailleurs. En vrai, je vais réincarner sans commit le terrain. Le moins j'ai de cartes qui sont commit sur le terrain, le mieux je me porterai. Et de toute façon, un Baylinx, je peux en renvoyer un dans le. Je vais récupérer mon foil en main. J'ai à peu près du follow-up. À peu près. Ce qui est embêtant par contre, c'est que si jamais je perds mon Sunlight Wolf. Oh! On peut considérer une ligne de play là. Ok, je pars sur ça. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce que du coup je vais rendre mes monstres inciblables. Et ils vont aussi avoir un boost d'attaque. Alors le boost d'attaque c'est énorme. Voilà. Mon collier. Maintenant 7. 7. Ça je peux la garder pour le tour suivant. Et end phase. Pas besoin d'aller plus loin. J'ai une negate. Une omni negate en spell speed 3. Et une double destruction de magie piège. Ça augure pas bien pour l'adversaire. Il y a de fortes chances qu'en plus ce soit un adversaire magicien sombre. Encore un Dark Magician player. Piercing of the Darkness, bah bon. you normal summon or special summon. The non-token normal monster, you can draw one card. When an attack is. Exactement. En gros, je pense qu'il va essayer de taper. Est-ce que j'ai envie de negate Magician's Souls? Non. Que là, en gros, ce qu'il va se dire, c'est je tape sur le transcode et c'est fine. Sauf que j'ai une carte pour détruire son magicien. Voilà. S'il tente de taper sur mon Sunlight, je m'en fous. Je peux le laisser. Je peux le laisser draw. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas s'il pioche. Ça ne me gêne pas s'il pioche. Ça par contre ça me gêne. Ça. Je vais l'annuler. À voir s'il en a un autre. Il en a un autre, franchement il est bon. S'il en a pas d'autre, et bah pas de ami c'est tout. Prends du chaos. Ah, vas-y. Timaeus.
Bravo Gatimaeus. Là il va faire une fusion, d'accord, ok. Mince, j'aurais dû détruire sa carte parce qu'après je pourrais plus. Et là après je peux plus détruire sa carte. Donc à partir de là, ce qu'il faut que je fasse... taper mon... Si tape mon Sunlight Wolf, c'est stupide. Si tape mon Transcode, c'est le bon choix. Après, son setup, il est pas ouf. En fait, il peut pas bannir mes monstres. Il a Eternal Soul, c'est bien, mais... Moyen... Assassin. L'impression que non. Sauf si je pioche une Salamangre Great Will, auquel cas dans ce cas je passe son monstre, en plus je wipe son board. Maintenant c'est toujours la main à lui. Je ne peux pas target ses magies pièges. De faire N5. Ok. Dommage que son monstre soit inaffecté. Foul. C'est quand j'avoue. Normal special. Ok, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah, si, c'est bon. Non? Ah non, il me manque un monstre. Dans ce cas, je vais perdre de la value sur les prochains moves. Bon. Bien, mais... Là, en gros, il... Et... d'ailleurs, est-ce que j'ai un moyen d'avoir un... Le moins que j'ai, c'est Access Code. C'est un peu chiant. Pas mentir, c'est un peu chiant de devoir sortir l'Access Code comme ça. De toute façon, il a pas de carte qui permet de... Vraiment Access Code. Ça. Et là, moi je peux battle. Ouais. Ah oui, d'accord. Talk to that opponent's must have turn. Ah mince. J'ai oublié de lire ça. Est-ce que c'est un once per turn? Non, même pas. Hein. Ah si. Bah j'aurais dû lire. Bah mon mauvais. But Yu-Gi-Oh players cannot read. Et de toute façon, ce monstre, en fait, le truc, c'est qu'il est inaffecté. Donc bah j'ai perdu. Juste sur ça, je perds. Parce qu'en gros, j'avais finalement aucun moyen de passer son monstre, ni au combat, ni par effet. Parce que là, tant qu'il y a Eternal Soul, je peux pas le passer par effet. J'ai rien en fait qui permette de passer là. Tant qu'il y a ça, en fait j'aurais dû la détruire. J'avais une fenêtre de tir pour la détruire et non. J'ai décidé que je voulais pas gagner.
Bon bah alors, c'est pas la peine d'essayer, hein. Pas la peine d'essayer, y'a plus rien que je puisse faire, maintenant je suis lock. Aussi simple que ça. Juste parce que j'ai oublié d'activer mon Twin Twister. C'est un peu con. Monsieur ? Monsieur ? Vous êtes trop fort ? J'aimerais bien avoir la moitié de votre chance parce que moi j'ai pas eu ma gazelle. Punaise, j'ai quoi ? J'ai un cercle, une gazelle ? Ou trois cercles, une gazelle ? J'ai même un Signet Mining, attention. C'est incroyable. Ah, il est allé chercher ça, ok. C'est fou parce que j'avais une fenêtre de tir, c'était juste détruire sa carte magie et puis c'était gagné en fait. Ça l'aurait forcé à attaquer en fait. Mais en fait, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi il a pas attaqué parce qu'en fait... Comment il savait que j'avais un Prohibit Snake en main? Comment il savait ça? C'est vrai là, je me pose la question. Comment il savait qu'il fallait pas qu'il attaque? Ah non, cela dit, le Prohibit Snake, je l'ai pioché après. Mais comment il savait qu'il fallait pas qu'il attaque? Après cela dit, ça en grade, c'est pas aberrant. De toute façon là il n'y a rien que je puisse faire. Donc, s'il essaye de bannir mon terrain, je le détruirai avec mon. Avec ma carte de toute façon. Là en vrai la seule carte qui pourrait me sauver ce serait un. Ah même un plasma me sauve pas. Ok, bon bah je vais devoir détruire mon terrain. En fait c'est ça toute la tragédie, c'est que j'avais le moyen d'éviter tous les problèmes et puis j'ai dit non j'ai envie de perdre. Oh ça me rend tellement triste. Non tu ne banniras pas mon terrain. Monsieur OK. Dark Magician et un dragon. Non mais il a encore eu son Timaeus quoi. Avoir negate le Timaeus au tour précédent, c'était techniquement bon. Et en vrai, c'était un peu un gamble. On va pas se mentir. Mais quoi qu'il arrive, il fallait que j'évite l'arrivée du... C'est ça, là. Cette chose. Waouh. Il a banni toutes les magies. Et je meurs sur ça. Et je meurs sur ça, parce que j'ai pas lu, parce que j'ai pas réagi comme il fallait, parce que j'ai dit non au moment où j'aurais dû dire oui. Et quoi qu'il arrive, en fait, le Twin Twisters, il fallait que je m'en débarrasse. Quoique non, le foul était une bonne discard. Et je crois que j'ai de toute façon pas mieux comme deck actuellement. Pride n'est pas légal dans l'anthologie et j'ai pas le deck magicien, le deck Blue Eyes, merci Brick Eyes. Mais moi, mon but c'est pas de construire une maison, mon but c'est de gagner. no offense pour les joueurs de Blue Eyes, mais j'aimerais bien ne pas avoir des briques dans mon deck. Même le deck magicien des ténèbres, il y a beaucoup de briques. Bon, je trouve un deck magicien sombre qui go first contre moi, il a gagné, normalement. S'il a son combo, il a gagné. Je passe pas son combo. Son combo, c'est Cercle, Eternal Soul et le magicien fusion et c'est fini. Je passe pas ça. Genre, il me bannit le premier monstre qui arrive sur le terrain et c'est fini. Si je peux pas détruire ses magies pièges... Ah, pendule! What? Me dis pas que tu fais end phase parce que c'est tellement triste. Me dis pas que tu fais. Ok. Là normalement il peut discard 1 et invoquer spécial. Ah c'est pas le bon. Jesus Christ. Ok. Bah you lost.
You didn't see it coming. Yes. Yes, 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 yes. Allez, on negate. Non, fais pas ça. Je te jure que ça annule pas ma carte. Je te promets, ça annule pas ma carte. Je te promets que ça annule pas ma carte. Oh non. Bah du coup, easy hein. J'ai déjà un Jack Jaguar, je vais envoyer un... Est-ce que j'ai une carte Salamangreat en main? Là le but c'est de... Là le but c'est juste de... d'avoir un truc en main. Faire un... En vrai j'ai un OTK là. Même sans le Deadjammer j'ai un OTK là. Normalement. Je ne dis pas de bêtises, normalement là j'ai un OTK. Je réincarne le Baylinx. De toute façon rien à récupérer. Il a pas de Nibiru, c'est quoi ton effet? You can special from your hand, if this card is normal, you can target one card in your hand. Ok. Dodge. Vraiment très simple. Ça on attaque. Ça, normalement le codec devrait lui donner l'indice que là il va se passer plein de trucs. Toujours pas normal en plus. Je veux pas whiff. Le duel précédent a montré que j'étais capable de whiff comme c'était pas permis. Alors chaîne 1, chaîne 2 codec. De codec, cherche les Didi Bug. Les Didi Bug, invoxpé les Didi Bug. Les Didi Bug est fait. Chercher Microcoder. Microcoder est sur le terrain, il me permet d'invoquer spécialement un monstre. Add. Level 4, 7. Là, on va d'abord. Ah. Ah, je... Oh. Deck. Code Generator. Je vais ramener l'autre. Je pourrais presque essayer de faire un... Comment... Un extra link. Pas normal, je normal le snake. Est-ce que je peux utiliser les deux pour la... pour le faire le lien? Je peux. C'est beaucoup trop fort. Cela doit cesser. Cela doit cesser immédiatement, c'est beaucoup trop fort. Et je vais aller chercher le water. Je vais extralier. Oh non. Je vais extralier. Une zone pendue. Oh non. Il va pas pouvoir pendule même s'il avait une autre scale. Oh non. Oh, je suis un monstre. Aidez-moi, je suis un monstre. Oh non, oh je suis un monstre. Alors send un truc au cimetière. Et du coup je vais send... Allez. Oh là là. Chercher un Signet Conflict. J'ai une negate. Non. Même s'il pouvait sortir la tête de l'eau, il ne le pourrait pas. Pardon. Et... en Foxy, parce que de toute façon ce tour-ci je pourrais pas faire son effet.
veut dire son effet de, réinvocation. Donc je vais aller, je vais essayer de dig avec et puis. Ah, c'est seulement si les sims. Normal, summon. Cannot read. Mate, I swear, I cannot read. Voilà. Oh non, j'ai U-Link. J'ai U-Link. C'est dégueulasse. Non, je veux pas activer son effet. Par contre, je veux qu'il attaque. Et là, en gros, durant son tour, il va se poser la question de... Est-ce qu'il aura un tour? D'accord, il a quand même un tour, là. Oui, il aura un tour. Oui. Là, je pioche une carte. Oh! La Mangrit Wheel. Regarde dans le cimetière que je peux activer, du coup, maintenant. Ah oui, le Foxy. And face. Pas plus Foxy détruire sa scale, mais... Allez, je suis... Je suis gentil. Dis mais en scale il pourra pas pendule. S'il a une scale il pourra pas pendule. Ah c'est drôle. Enfin c'est drôle. Tout relativement. Hein. Oh là là. Ah. Nous en sommes là. Ok, bah je peux invoquer normalement le format de skipper. Et est-ce que j'ai un lien 3? Celui-là. Encode Toker. Encode Toker. Format skipper. Ah non. Là, hop. Ah, là, il est allé chercher. Je vais activer. Ah là là, je suis vraiment un enfoiré quand même. Je suis en train de combo. Oh! Oh, he beats. Hey. Code exporteur. A toujours dit, il faut que tu exportes ton code. Et là, oui, tu passes free materials. Ah, allez, sélection. Regarde dans le cimetière, l'arrière box. Get. Deur. Accès. Deux. Ça. Ouais, c'était stylé hein, ce que j'ai fait. Monstre face cachée. Ah! C'est grave. Pas un peu. That? Seul? Dégâts maximum! Prends tes 5800! J'aurais pu faire. J'aurais pu gagner un peu de vie, mais. J'aime de gagner de la vie. Oh mon dieu. Ça doit faire mal.